énorme. Je ne m'attendais absolument pas à l'impact de voir toutes ces œuvres réunies dans un espace complètement à l'opposé de notre jardin, très minéral, très rassemblé, et tout d'un coup j'ai pris conscience de la force de cette collection. Et ce qui m'émeut particulièrement, c'est que c'est une collection en réalité comme d'une autre époque. Ça n'a jamais été une collection prévue, c'était un jardin secret que mon père a fait pour lui par coup de foudre, par affinité avec des artistes. C'était le reflet de ce qu'ils ont fait de leur vie. Et leur vie, ça a été une vie d'aventure. Enfin, ça va du surréalisme avec Miro, Aniki de Saint-Phal, à des choses beaucoup plus classiques comme le Rodin et le Mayol et Bourdel. C'est merveilleux de voir à la fois La caresse de l'oiseau, qui est quand même une œuvre emblématique, ou la grande mosaïque de Zaouki, à côté d'un Étienne Martin, d'un Zigor ou d'un Françoise Lacampagne. Et le fait que tout d'un coup, ça soit ouvert au public, je trouve ça absolument formidable.